petit repas entre voileux, sympa, avec les enfants. Coucou Stéphane, Anne, Arnaud, Jonathan et Lola. Oh Lola, soirée sympathique. Promenade découverte ce matin. Derrière moi là-bas à la route, ben, notre chantier pique. Et tout le long de la route, à gauche, ben là c'est une forêt de bambou, c'est joli. Alors la forêt équatoriale. Et à droite, une belle piste cyclable là pour moi. Et à droite, ben, d'autres chantiers. Tout le long, tout le long, tout le long. Et on va déboucher au bout là-bas sur ben, une autre baie. La première des baies, des quelques baies qui mènent à Port of Spain, la capitale de Trinidad. L'autre baie, de l'autre côté, voilà, on arrive là, et tout au fond, on aperçoit les buildings de Port of Spain. Alors ici, on peut le voir, on est dans une île anciennement sous influence britannique. Donc il roule à gauche, il va falloir que je fasse attention quand même. Et même sur la piste, c'est un cycliste qui arrive en face, il faut que je me mette là. Alors je me concentre un peu. Le restaurant, on est venu boire un coup ici, bon, derrière les arbres. C'est un yacht club, ou le yacht club, je ne sais pas. C'était sympa là. Nous sommes notamment venus ici hier soir parce que l'ensemble des gains de la soirée, des boissons, étaient reversés à destination des sinistrés de l'ouragan Barry dans les îles, dans certaines des îles. Des Antilles. Je fais un petit short ce matin, alors bien sûr il va y avoir un gros décalage entre le short qui vient d'être publié ce matin, la publication de cette vidéo dans 2 mois. Tiens, c'est la lampe. Je ne dirais pas que le coin est sympa ici au fond. Ah, voilà, ça c'est dommage, ce gap là entre les enregistrements et la publication, j'arrive pas à le rattraper. Parce que j'ai un peu feignasse aussi, quoi, quand même. C'est pas que ça, une vidéo. Je me régale. Mais... Oh, ça monte quand même, oh. Ici un parc d'attractions et du kart. Et après un parc aquatique là-bas. Ah ben voilà, ici on arrive à la plage des locaux. Sympa. Le petit vendeur ambulant. Il y a le lifeguard, hein. Il n'est pas tout jeune, il est plus vieux que moi, il est encore. Aïe aïe aïe, pas propre la plage. Wow. Ni même les abords. Ça pourrait être joli, ça pourrait être sympa. Pas très propre. Ça semble un peu comme abandonné, c'est dommage. Hi. Alors ils disent bonjour, là c'est chouette ça. Tous, hi. C'est un petit, enfin un petit peu, beaucoup mieux aménagé, plus propre. Et de l'autre côté, c'est bizarre. Il y a encore un petit parc d'attractions là. C'est très très mode nord-américain. Ils ont un mode de vie ici grandement inspiré du mode nord-américain. Les voitures, les roues, les petits, les panneaux indicateurs. Là, les parcs d'attractions. La façon de manger, de s'habiller, de tout. Oh là là. Bon alors aujourd'hui point météo, ben comme on le voit, pas de soleil, et ben c'est tant mieux parce qu'il fait quand même très chaud. Très chaud. Et chaud sans le soleil, ben il fait un peu moins chaud. On est à l'ombre des nuages. Allez, on continue, voilà, on retrouve une piste cyclable. Des pêcheurs. Et... On se rapproche. J'ai l'impression qu'on entre dans les premiers faubourgs de la ville. Ce Fish Try. On est là, c'est le petit restaurant. Bon, il faut que je fasse vraiment gaffe parce que c'est la première fois que je pédale avec une circulation à gauche. Et je reste un peu concentré sur mon truc quand même. Ici, ça serait une zone quoi, là, de pêche, pêcheur peut-être. Mais c'est cool, il y a des petits bars, il y a des... Thank you.
lance le temps. On revient dans un autre quartier après avoir passé quelques petits coups de. Bon, terme de cycliste, ça s'appelle des petits coups de cul, pardon, mais c'est comme ça qu'on y est en vélo. C'est-à-dire des petites bosses, des petits rédits. Hey man, you must stop. Ça j'aime bien ça. Ils sont cool. Oula. Alors d'un coup la petite route se transforme en grande route. Est-ce qu'il y aura une piste cyclable? Ça serait de bonne aloi. Ma foi, ici c'est pas. Il est où le centre-ville? Je vais essayer de trouver. Enfin, non, je vais aller au centre-ville, voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que jusque-là, c'est pas magnifiquement magnifique. Jusque-là ça allait, mais là ça devient vraiment. Je sais pas trop vers où on va. Comme j'ai pas de connexion, je peux pas faire map. Et sans map, ben on est habitué à ça maintenant. On est un peu mal. Le coup, c'est que j'ai pas peur de me perdre. J'ai pas envie de faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour rien. Alors là, il y a le cinéma, mais je prends cap. Je sais pas ce que c'est là. Cap à l'est, il me semble. On verra bien. Je reposerai. Bon, bah, cul-de-sac, ça c'est classique. Et tu vois, quand je te disais le mode de vie nord-américain, mais regarde ces maisons, les couleurs, et celles-ci. Alors, magnifique, hein. Mais vraiment, c'est. Ah, je vais y arriver, oui. Regarde, ce mode architectural là. Ah, oui, dans le mode à la française. Alors, à gauche. À gauche et roule à gauche, Pierre. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est impossible, c'est vraiment pas fait pour le vélo. Moi, je devrais être de l'autre côté sur la deux voies. Là, c'est une trois voies. Je suis obligé de rouler sur le trottoir. En face, il n'y a même pas de trottoir, rien dans mon sens de circulation. Ici, je dois rouler sur le trottoir, mais c'est vraiment pas fait pour les vélos. Waouh, c'est compliqué. Et puis à droite, là, j'ai pas raté de route hein, puisqu'il y a la mer. Des chantiers là encore, on le voit, hein, et on roule là-bas la mer. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. Attention. Voilà, tu vois, on arrive, il y a des trucs comme ça là, et tu peux pas passer. Pas passer un vélo là. Qu'est-ce que c'est ce truc? De fou. Alors, en plus, je sais pas où je vais, en fait, je vais en ville, mais c'est déjà ici la ville. Regarde ce trottoir, il faut 45 km de haut. Qu'on fait? Ah, ça y est, il s'arrête. Oh, il y a un carrefour là, il faut vite que je traverse. Il n'y a pas de passage clouté. Attends, j'y vais vite. Ils se sont tous arrêtés là. C'est extraordinaire, je ne sais pas comment ça va se passer. Là c'est rouge. Mais il n'y a pas de passage clouté. C'est. Oh. Alors en face, il y a une rue qui ressemble à une rue et pas une autoroute. Je vais y aller. Oh là là, c'est compliqué, hein. Très compliqué. Alors attention qu'eux, ils tournent à gauche là. Voilà, là on arrive dans une rue, c'est un peu plus calme, ça ressemble à une rue quoi. Oh. Avec des commerces à droite à gauche, pour moi c'est ça une rue et une seule voie de circulation où on roule à moins de 50-60 km/h. Waouh! Attends, je vais prendre là, ça a l'air sympa. Là il y a une autre rue où ça a l'air encore un peu plus cool. Ah, on va voir. Hein. Ah voilà, là c'est un peu calme. Cyclo. Ah non, silo, je crois que c'était cyclo. Ah non, là il n'y a pas trop de commerce, il y a des maisons. Mais ouf, c'est un peu calme. Subway international. 100 mètres plus loin, KFC. Un restaurant local, totalement local. Bon là, j'ai fait le tour d'un grand parc. Où semble-t-il, il va y avoir enfin des animations. Il y a beaucoup de familles qui se garent avec des enfants. C'est le Nelson Mandela Park. Moi, j'essaye de trouver un point d'attractivité, un centre d'intérêt, c'est compliqué. Oh là là, il n'y en a pas beaucoup. Là aussi, un parc avec des. Ouais, il y a beaucoup d'animations pour les enfants. Apparemment, on va aller voir ce qui se passe. Là, il y a un tournoi peut-être, ou un tournoi de pour les jeunes. On va aller voir. Je ne sais pas par où on rentre. Pas par là. Ah ben c'est du foot peut-être. Ah si c'est du foot. C'est très cool. Oui, alors apparemment c'est ça, c'est un tournoi pour enfants. On est au St. Mark's College Grounds. Là, ce qui se passe, comment ça se passe? Les petites familles, tout ça, c'est sympa. Mode de vie à la Trinidad. Je me suis un peu posé dans la tribune. Et comme ça, je regarde un peu les matchs.
Là, ils sont un petit peu... Enfin, il y a tous les âges, quoi. Sur le côté, là-bas, il y a des tout petits, ils sont beaux comme tout. Il y a les mamans. Là, en face de ce match, c'est deux dames qui arbitrent. Les arbitres sont féminins. Et voilà l'ambiance. C'est cool. Alors, en fait, vachement compliqué de trouver un restaurant, enfin, même un truc modeste, où on puisse s'asseoir et manger sur place. C'est pratiquement que des... Enfin, moi, j'ai trouvé, là, que des restos à emporter. Enfin non, il y en avait un où là c'était nickel, j'ai même du wifi, mais ils n'acceptent que du cash. Alors c'est vachement compliqué, j'ai pas de cash quoi. J'étais parti, j'avais 40. Et là, c'est quoi ici? Est-ce qu'on peut payer là? Je vais demander. Voilà, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on mange? Je vais demander. On va voir. Ça y est, j'ai trouvé le restaurant ici, on peut payer en carte de crédit, formidable. Voilà. C'est bon? C'est du porc? Caramélisé, une sauce, ils font beaucoup ça, il y a du poulet, du porc ou du bœuf comme ça, du riz et de la salade. Bon, je vais faire... Dehors, il tombe les pierres et le moulin. Et ben, je suis venu me réfugier dans une galerie commerciale, la même que celle de Lyon, Marseille, Télimar ou Bordeaux. Mais il pleut pas ici au moins. Je vais mourir parce qu'il fait 20 degrés avec la clim et je suis trempé. On va essayer de s'en sortir, on va résister. On va être fort, on va être fort. Allez, on rentre. C'est la dame qui avait vraiment au supermarché, putain, elle est déjà là. J'aurais dû aller avec elle, elle a pris le bus. Là. Et remarque, j'avais mon vélo, j'en faisais quoi, Brio. Donc moi j'ai été jusque à Saint James, enfin Port of Spain, mais là, quartier Saint James. Et ici c'est le quartier. Mince, comment ça s'appelle ici? Là, je me souviens plus. C'est le premier qu'on traverse de toute manière en partant de Pic. Chacun ramasse. Oh, ça pêche là. Un max de pêcheurs. Voilà la baie juste avant celle de. Et la nôtre là-bas, celle du coup. Ouais, presque arrivé, c'est bon, on quitte la route. Là, on prend le chemin sympathique du bord de plage. Et voilà. On est revenu à la hauteur de la plage. Il y a un peu plus de monde que ce matin, c'est vrai. Ça sent bien la ganja par endroit. Il y a quand même il y a pas mal de rasta, de look rasta. Et c'est vrai que ça fume. Ça sent bon. Ça sent bon la campagne, une certaine campagne. Retour sur la zone, et on revient sur les bateaux garés. L'industrie du bateau stationné. Il a des ailettes. Ah, c'est la nature, il fait un peu plus frais d'ailleurs. Oh, c'est sympa ici, la verdure, enfin. On arrive chez nous, bientôt. Le jet marine, ça c'est un ship qui paraît-il est immense. Là, je suis en leur bateau qui fait 45. Allez, il a les moyens. Powerboat, notre gros chantier. Et chez nous, c'est ici, Pic Yacht Service. On balade s'il y a, si j'ai le temps. Allez, jusqu'au bout là-bas. Et voilà. Hello. Hop là. Et nous voilà. Arrivé chez nous. Ça sent la maison. Hein? Tu le vois d'ici le tabasco là-haut. Tout là-haut perché.
Tu le vois, le Tabasco, le plus beau des bateaux. Il est là, mon gâté. Bon voilà, de retour. J'arrive. Eh ben, belle journée. Ah, ça fait du bien de rentrer, je sais pas où faire ça. Oh, au moins, une découverte des environnements, qu'est-ce que c'est un peu la vie ici, quoi, le mode de vie des gens en ville un peu plus. Et c'est spécial, mais on sent une cool attitude ici aussi, ça me plaît bien. Quoi. Ils sont cool, ils sont gentils et tout aussi. Sans trop en faire, mais... Et sans parler trop en faire, il y a 20 bornes dans les pattes au moins. Là, hein. Au moins. Mais c'est rien ça. C'est costaud, le Tabasco à roulette. Allez, on va se reposer maintenant. Bonne nuit.